Et bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour la dernière vidéo pour Overwatch et Galt. On va voir si cette fois on aura le droit à une cinématique. Je pense que oui. Je pense que oui, je pense que oui. Oui, c'est fort probable et j'espère en tout cas. Mais c'est une toute petite, sympa. Parce que j'aimerais bien en avoir une quand même. Je trouve ça sympa qu'il y en ait une. Même si c'est un tout petit truc, hein, c'est sympathique. Mais déjà, comme j'ai dit, le fait qu'ils aient mis ces primes-là, ça fait extrêmement plaisir. C'est pas vraiment des criminels légendaires, mais ça rapporte quelque chose, quoi. C'est vraiment un criminel légendaire, au final, il n'y en aurait que 3 supplémentaires. Ah, ce qui est plutôt logique, parce qu'en fait, on peut se dire que... Mais en fait, ils auraient dû être 5. Ça aurait dû être 5. Parce que de base, jusqu'au à notre rang 20, coupe les buts? Ok. Jusqu'au rang 20, on avait eu bah, 10. Donc là, on aurait dû en avoir 5 en plus. Y avait une prime légendaire. Une prime légendaire, je pense qu'il... Oui, on avait une qui se baladait dedans. Peut-être ici même. Je ne sais plus du tout. Hop, bouffe. Bouffe, bouffe. Bon, Justin déconne. C'est un peu chiant en fait. Par exemple, pour baisser, on met du temps des fois. C'est particulier. Ah, il l'avait enfermé. Il l'avait enfermé. Pas de prochaine fois mon pote. Permet hein. Quand même de le fouiller lui. Allez hop. Tu viens avec moi. D'accord, donc en fait il devait bosser avec eux. Et ça s'est mal passé. Il voulait s'occuper de lui avant que je le chope, j'imagine. On va se dire bon bah au moins il va nous servir à quelque chose. Or, je vous le dis à chaque fois, mais en temps normal. J'aurais fouillé tout le monde, ça je peux vous le dire. Surtout quand il reste autant de temps, mais apparemment ça a changé le système de récompense, c'est-à-dire par tranche de 5 minutes, je crois avoir vu, ça rapporte plus si on le ramène le plus rapidement possible, quelque chose. Dans ce style-là, c'est très particulier, il l'explique pas, c'est très mal fait. J'aimerais bien en fait avoir vraiment une explication de la part de Rockstar, genre, ok, vous le ramenez dans ce temps-là, ça rapporte plus, et dans ce temps-là, ça rapporte moins. Histoire d'avoir une logique et pas que ce soit au pif. Ou même limite fixer la récompense, au moins ce serait bien. Fixe ça et puis basta. Ce serait très bien que ce soit fixé hein. Par rapport au nombre de personnes à ramener, tout ça. Je sais qu'il y a un multiplicateur par rapport au nombre de personnes à ramener, mais pas assez explicitement dit quoi. Donc c'est particulier. Oh! Ah bah ça va faire une nouvelle vidéo ça. La petite récompense. Vaut mieux, je vais en faire une petite vidéo juste après. Bref, c'était sympathique de les voir. Donc la prochaine série de vidéos, je vais la... Oula, oula, ça fout lag. Oula, 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 ça a du mal, c'est bon. Non, ça a un peu mal. Je vais faire un Rod, après je ferai Emerald, puis après je vais petit à petit faire ouais, Valentine, Walla Station, Strawberry, Radio Station. Blackwater, ensuite c'est Armadillo, et après Tumbleweed
Medic Point, histoire de descendre comme ça et de faire une sorte de logique et de périple pour le personnage, si on peut dire. Ce sera pas mal. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!